Donc, merci à tous d'être connectés. Là, je vais faire le setup pour qu'on voit la présentation. Puis que ce soit plus juste l'écran Starting Soon. Bonjour Fadi. Merci pour le problème de statique, Satan. Je vais essayer de remédier à la situation là. J'aurais peut-être un problème avec le volume de mon micro. Je vais essayer de le baisser un peu. J'essaie de remédier à la situation, là, mais c'est peut-être le setting. Donc, on va mettre la présentation. Là, pour un instant, vous allez voir mon écran. Et puis, on est parti. Je vais laisser encore quelques instants là. Pour que les gens puissent se connecter. Là, je vous invite à me parler dans le chat. Je vais monitorer ce qui se dit. Je vais essayer de répondre aussi à vos questions on the fly. Bien sûr, ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions là, si j'ai réponse à la question. Sinon, je vais essayer de trouver une manière de vous répondre. Premièrement, j'aimerais faire les présentations. Vous allez voir là, dans le chat, il y a... Ziggy Gigi et 5vite, donc c'est mes deux modérateurs. Si vous avez vu les règles du chat, je demande aux gens d'être respectueux. Et puis, sinon, j'ai des modérateurs sans pitié. Amazon More, ouais, pour des panélistes, effectivement, j'aurais besoin de panélistes. je vais vous avouer franchement là, que j'ai monté tout ça en bon québécois, là, rien que c'est une gosse. Et puis, l'idée m'est venue là, avec Twitch, donc tu sais, c'est vraiment un essai là, aujourd'hui. Là. Ah, on est rendu à deux Malek. Ben, bienvenue. On est rendu à 18 viewers, c'est bon. Pour ceux qui se sont créés un compte, suite à la présentation, si vous avez bien aimé là, le contenu, là, je vous invite à me rajouter un petit follow si j'ai assez de si j'ai un peu de traction avec ça, là, je risque de faire comme une série de Lunch and Learn. Là, peut-être pas tous sur la qualité PowerShell, mais... ou des tests unitaires, mais sur la programmation en général. Là. Pour... là, j'ai eu un petit souci. Et puis, le petit souci, c'est que la toune joue encore, c'est parfait. Mason Moore, j'imagine que c'est quelqu'un que je connais. Et puis, s'il me dit des panélistes, je vais prendre un guess que c'est Guillaume. Donc, non, je veux pas faire la pièce sur Twitch nécessairement, mais bien partager. Hein, avec mes homologues. Je vais juste m'assurer que tout est fermé. Comme ça, on n'a pas de mauvaises surprises. Parfait. Donc là, vous voyez un peu mon setup. Là. On va laisser encore trois petites minutes. Et puis après ça, on va commencer. Oui, Meister T-Bone, je sais c'est qui, on reconnaît T-Bone, mon collègue. Je vais préserver son anonymat. Puis bon, en attendant qu'on attend... Oh, bonjour Sarah. Je tiens à remercier Sarah Dufresne pour la photo qui a circulé sur les médias sociaux. Elle est bonne pour prendre des photos qui parlent fort. Donc, c'est ma photographe et styliste. Avez-vous des attentes par rapport à ce que je m'apprête à présenter? Peut-être avec la description. Sentez-vous à l'aise de tout me communiquer ça dans le chat. Là, je garde un œil sur ce qui se dit. Donc, comme je disais, pour dire n'importe quoi dans le chat, gardez en tête que j'ai deux modérateurs pour assurer là, le respect. Je ne penserai pas avoir de problème là, ce midi.
Et puis, sachez que la session est enregistrée présentement à la demande de personnes là, qui m'ont demandé de procéder ainsi. Finalement, j'aurais bien aimé ça, là, vous montrer mon visage là, pendant que je parle avec une webcam. Malheureusement, Amazon ne pouvait pas me livrer avant le 2 avril. Bon, à cause du coronavirus et puis toutes les mesures là, qu'on a présentement. Donc, toutes les livraisons sont retardées. Prochaine fois, je m'en excuse. Ok, je pense qu'on va commencer. Est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Un petit kappa dans le chat, K majuscule APPA. Ah, je m'excuse de te décevoir, Fadi Malek. Donc, on va commencer. On coupe la toune et on part. Bon, alors, on se lance. Donc, bienvenue à ce premier Lunch and Learn qui a pour titre Assurer la qualité de vos outils PowerShell. Et puis, c'est un Lunch and Learn que j'ai mis sur place là, suite à certaines conférences que j'ai données par rapport à des tests unitaires ou des tests unitaires avec Pester ou tu sais, comment faire ce que j'appelle la qualité automagique. Donc, avant de se lancer dans le Lunch and Learn, on va faire un peu de terminologie. Donc, j'aimerais premièrement parler du mot outil, ce que j'entends par un outil PowerShell. Donc, pour moi, un outil PowerShell, c'est tout script ou module qui contient de la logique d'affaires, vous permettant de subvenir à un besoin d'entreprise. Il va sans dire que ces outils-là, c'est soit réutilisé à travers votre organisation ou c'est des scripts là, qui traînent des fois sur un poste. Et puis, quand on parle de qualité, dans le fond, on veut parler surtout de la qualité, dans le fond, c'est quelque chose qui est mesurable. Et puis, c'est mesurable à travers diverses métriques, des métriques qui peuvent assurer la robustesse, la fiabilité et la standardisation de votre code PowerShell. Donc, si vous êtes prêt à casser la baraque, on voit la petite animation. Donc, un peu sur moi, mon vrai nom, c'est pas Décapant 316, c'est bien Patrick Lavallée. Donc, je suis bachelier en génie des TI, diplômé de l'École de technologie supérieure. Je compte en 12 ans d'expérience comme programmeur, dont les 5 dernières années avec la plateforme SharePoint. Je voue un amour inconditionnel à l'automatisation. Je voue un amour inconditionnel au heavy metal pour ceux qui considèrent que c'est de la musique. Et puis, je voue aussi un amour peut-être trop à PowerShell. Et puis, c'est le mélange de l'automatisation et de PowerShell qui a fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui. Ah ouais, cool, Fadi. C'est quoi ta meilleure tonne de Metallica? Ceci étant dit, on va parler de qualité automagique. On va voir les principes directeurs derrière ça, comment aller chercher des bonnes métriques et puis comment est-ce qu'on peut automatiser un peu tout ça là. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la première partie. Donc, la qualité automagique. La qualité automagique, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est mesurer la qualité logicielle en se basant sur des métriques, soit quantitatives ou qualitatives, de manière continue et de manière automatisée. Donc, pour beaucoup, on parle de tests unitaires, qui est une façon de bien mesurer la qualité, couverture de code ou analyse syntaxique. Dans un premier temps, on va voir les principes directeurs derrière ce que c'est la qualité automagique. Ensuite, on va parcourir ce que sont les métriques qui sont disponibles avec nous, avec les outils PowerShell. Et puis, finalement, on va parler d'un peu d'Azure DevOps. Comment est-ce que on peut leverager cet outil pour récolter ces métriques-là, en fait, et automatiser le processus. Donc, premier principe directeur, « If your solution doesn't feel like magic, you're not done automating it. » Ce qui a été dit au SharePoint Saturday Montréal 2019 par une personne très influente, ce qui a rapport à SharePoint DSC, Office 365 DSC, qui est Nick Charlebois. Donc,
Pourquoi ne pas tout le temps prendre un peu d'effort pour essayer d'automatiser un peu plus jusqu'à temps qu'on sente que c'est magique et ça se fait tout seul? Les programmeurs vont savoir hors de tout doute que l'informatique, c'est pas vraiment de la magie, qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, mais beaucoup d'efforts peuvent être mis en ce sens là, pour automatiser. Et puis, le deuxième principe directeur a été dit par mon ami Simon Turcotte-Langevin, Turc pour les intimes, qui disait: du code déployé en production sans test, c'est déjà du code legacy. Donc, moi, j'ai pris ces deux principes directeurs-là et puis j'ai décidé de les mettre en profit. Et puis, je vais attirer votre attention là, pour. Ici, dans le coin en haut, à côté de principes directeurs, là, on voit la petite pipe PowerShell. Donc, j'ai essayé d'être le plus PowerShell comme plugin avec ma présentation. Donc, on prend les principes directeurs et puis ces principes directeurs-là, on peut y parvenir, on les pipe dans ce qu'on appelle nos métriques. Première métrique, des tests brisés. Les gens ont souvent tendance à trouver ça bizarre quand je dis que l'indice de qualité, c'est des tests brisés. Ça prouve que le système présente une défaillance. On ne le souhaite pas, c'est sûr et certain. Les tests brisés, on aimerait que cette métrique-là soit zéro le plus souvent possible. C'est aussi le plus bas niveau de documentation d'un système. Ou est-ce que lorsque j'ai besoin de savoir comment qu'un système fonctionne, un de mes premiers réflexes à titre de programmeur, c'est d'aller vérifier la suite de tests, en espérant aussi qu'il n'y a rien de brisé. Mais c'est un très bon indicateur qui permet de prouver que le système a une défaillance. Deuxième métrique, la couverture de code. C'est un indice de fiabilité. Donc, la couverture de code permet de diminuer les chances d'avoir des défectuosités cachées dans vos outils. Ça, c'est une métrique qui s'exprime en pourcentage, bien entendu. En fait, je dis bien entendu, mais c'est pour ceux qui ont eu à jouer avec ce genre de mécanisme. Et puis, il n'y a pas vraiment de seuil à atteindre. C'est ça, le plus haut, le mieux. Il y a quelques années, moi, je disais qu'un taux plancher était de 50%. Je me suis fait rabattre les oreilles par un de mes collègues me disant que 50, c'était vraiment bas et que je devrais tout le temps me battre pour mieux. Donc, c'est sûr que le plus haut, c'est le mieux. Métrique numéro 3, on parle d'analyse syntaxique. C'est un indice de standardisation. Bien sûr, ici, on applique la loi du gros bon sens. Généralement, les gens n'apprécient guère de se faire dire quoi faire par un outil. J'ai, pour mon dire, don't shoot the messenger. Et puis, il faut désactiver les règles, dans le fond, qui font pas de sens. Et puis, lors de la démo, je vais vous montrer comment on peut y parvenir. La raison pourquoi on prend de l'analyse syntaxique est fort simple. C'est pour tout projet de même nature, ça permet d'avoir du code qui est standard, du moins dans son écriture, d'un projet à un autre. Donc, au point de vue d'un développeur qui a besoin de faire de la maintenance, c'est plus rapide. C'est moins cher. Au niveau de la productivité aussi, c'est la même chose. Et puis, pour un opérateur qui, lui, n'est peut-être pas un développeur, mais qui a besoin d'exécuter des scripts, de regarder dans un script, à voir c'est quoi la défaillance rapidement pendant une mise en production ou peu importe votre scénario, permet aussi d'avoir une compréhension commune entre toutes les personnes impliquées. Bonjour Larry Spaghetti. Donc, on prend toutes ces belles métriques-là et puis on les pipe encore une fois dans Azure DevOps. Où est-ce que Azure DevOps va nous permettre de l'intégration en continu, va nous permettre de faire du déploiement en continu et puis nous met à profit là, des beaux tableaux de bord automagiques là, qui vont être générés par les métriques qu'on va aller récolter via les outils. Donc, dans le cas de ce Lunch and Learn, je ne vais pas vous montrer, j'ai pas un tableau de bord là, déjà tout prêt de mon côté, mais je vais vous montrer comment bâtir un fichier, un YAML file qui permet de définir votre pipeline, vous, dans votre code de votre côté. Fadi, je vais tout t'expliquer c'est quoi l'analyse syntaxique là, dans la démo. J'ai beaucoup d'exemples qui permettent de le montrer. Mais pour répondre à ta question, l'analyse syntaxique,
C'est un outil qui analyse statiquement ton code et puis qui applique des règles. Donc, dans PowerShell, il va avoir d'utiliser un verbe approuvé. Donc, si la commandlet ne commence pas qu'un verbe approuvé, l'inter, qui est le mot anglais, ou la personne qui fait l'analyse syntaxique, l'outil, je veux dire, va montrer que la règle, dans le fond, est transgressée. Est-ce que ça répond à ta question? Je vais continuer à monitorer le chat. Donc, on va regarder une démo. Le PowerPoint, c'était vraiment juste pour vous mettre en place là, ce qu'il y a, les principes là, qui étaient derrière, dans le fond, tout mon modus operandi là, de monter cette présentation-là. Donc, pour la démo, je vais vous faire chercher une mise en contexte, parce que c'est tout le temps bon d'essayer de résoudre des problèmes avec une mise en contexte. Donc, je m'excuse d'avance pour la mise en contexte un peu douteuse, mais la mise en contexte est la suivante. Donc, vous êtes engagé dans une compagnie et puis là, vous devez. On vous explique que votre produit est déployé là, sur plusieurs machines et puis que vous avez accès à ces machines-là via un PAT réseau. Le PAT réseau contient au bout un fichier de JSON qui va avoir les données des déploiements qui ont été faits sur ces machines-là. Donc, vous, on vous met en charge d'écrire une petite méthode, une petite commandlet qui est possible d'aller chercher, dans le fond, ces logs-là. Et puis, ces logs-là peuvent être filtrés soit par un identifiant unique ou par environnement de déploiement. Fadi, j'aimerais que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu veux dire si on peut faire ça avec du XML. Pour les biens de la démo, on va aller pendant que Fadi m'explique sa question. En fait, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu là, la mise en contexte. Mais la mise en contexte, je viens de la faire. Donc, la première partie, ça va être de la démo, ça va être des tips and tricks PowerShell, tel que illustré dans le titre. On va voir brièvement là. La convention de naming pour du PowerShell, qui est le verb noun syntax. On va voir comment est-ce qu'on peut aller chercher les verbes approuvés. J'entends déjà de mes collègues qui rient à distance. Après ça, on va voir qu'est-ce que le command-based help, pourquoi qu'on fait ça, mais à qui que ça sert. Ensuite de ça, commandlet binding, qui est un déclarateur de commandlet. Qu'est-ce que ça change à votre vie? Et puis là, on va aussi voir divers petits trucs pour valider vos intrants. Donc, on vient ici, on voit que j'ai une méthode. La méthode, j'ai un bloc de commentaires, j'ai le fameux commandlet binding, et puis j'ai fait une méthode, dans le fond, qui nous permet d'aller chercher les logs en question. Donc, on va commencer avec, comme je disais, pour trouver son verbe. Et puis, pour trouver son verbe, c'est très simple. On utilise la méthode getVerb, qui fait la liste de tous les verbes qui sont approuvés par la communauté PowerShell. Le but de prendre ça, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde a un langage clair. Je suis un peu intraitable à ce sujet, où est-ce que les verbes, il y en a énormément, et puis ils sont regroupés, et puis depuis PowerShell Core, on a même la description qui vient avec. Donc, à vous, les rédacteurs de script qui mettez des noms n'importe comment, vous avez plus de défaites là, pour ne pas prendre des verbes approuvés. Et puis, la syntaxe, c'est vraiment le verbe qu'on vient de voir, comme ici. Versus un nom. Un nom, ça peut être un nom commun. C'est un nom commun singulier, en fait, qui est utilisé. Ensuite de ça, je vais m'ouvrir ici. Une petite invite de commande. L'invite de commande dev LNL. Est-ce que vous pouvez me confirmer que la police est bonne? Je pense que je vais la grossir un petit peu aussi. On va y aller à 20. Donc,
J'ai une fonction qui est ici. La fonction, elle vit dans un script qui s'appelle demo.ps1. Et là, j'aimerais bien ça pouvoir manipuler un peu ma fonction. Donc, le premier truc que je vais vous montrer, c'est comment faire ce qu'on appelle du dot sourcing. Le dot sourcing qui est ici, c'est une commande qui est un point, tout simplement, et puis suivi d'un path vers un fichier. Le chemin vers le fichier permet ensuite de charger votre script en mémoire dans votre session. Donc, c'est pratique pour pouvoir tester que votre script fonctionne bien et que les commandes-là sont là. Donc, on a vu que j'avais quelque chose qui s'appelait get deployment. Donc, premier truc que je pourrais vous donner, ou le deuxième en fait, c'est que dans une console, il est possible de faire appel à l'intellisense. L'intellisense est le shortcut mieux connu comme Control Space là, dans tous les outils qui est Visual Studio, VS Code, qui est celui des outils principaux que je me sers, et dans PowerShell, ça existe. Donc, on peut voir que ici, get deployment log n'est pas là. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ma commande qui est ici. Oh, je me l'ai mis deux fois. Je paste Enter. Excusez-moi. Et là, si je fais get DE, on voit que ma méthode est ici. Et puis, ma méthode, dans le fond, est documentée. Donc, j'ai la syntaxe là, qui se met en bleu ici. Et puis, je vais attirer votre attention sur le Common Parameters, qui est tous les paramètres fournis à toutes les commandlets PowerShell, dont le verbose, le debug, error variable, etc. Et puis, ça, on a les Common Parameters grâce à le petit commandlet binding qui est ici. Donc, en rajoutant seulement une ligne de code, on peut se permettre d'avoir ici le verbose, debug, error action. Ça, c'est toute l'étendue des paramètres communs de PowerShell. Bien sûr, le control space marche aussi pour les paramètres. On voit ici que j'ai d'autres paramètres qui sont les paramètres propres à ma fonction. Donc, là, je vous parlais de Command-Based Help, qui est, j'ai un gros bloc de commentaires avec bon, des points synopsis, points description, points paramètres. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, pourquoi qu'on fait ça? Premièrement, c'est pour dire à PowerShell qu'on peut aller chercher l'aide d'une commande. Donc, en prenant get help et le nom de la commandlet, deployment log, on voit, j'ai le nom qui est ici, le synopsis qui est en arrière. Automatiquement, PowerShell est assez intelligent pour découvrir la syntaxe. Et puis, la description, bon là, j'en conviens, là, j'ai peut-être pas mis les meilleures descriptions, j'ai monté un exemple pour que ça soit plus comme éducatif qu'autre chose. Malgré tout, avec getHelp, si je mets un premier paramètre, j'appelle l'intellisense pour voir la liste des paramètres complets. On peut voir ici que j'ai detailed ou full. Donc, si je fais detailed, c'est la même chose, mais mes paramètres sont explosés avec la vraie description que j'ai. Ici, ici, et puis le target environment avec un petit signe de sarcasme. Et encore mieux, on peut y aller avec full. Et là, j'ai vraiment le pedigree complet de ma documentation. Donc, le pourquoi, c'est vraiment pour avoir une documentation riche, sans avoir besoin d'ouvrir les scripts, à vérifier qu'est-ce qui fait quoi. Donc, je peux voir deployment path log ici. Donc, lui est requis. Et je ne peux pas le passer par la pipeline. L'identité. Lui n'est pas requis, mais je peux passer à travers la pipeline PowerShell. Et puis, un peu plus tard, là, on va voir comment j'y parviens. Environnement n'est pas requis, n'accepte pas la valeur de pipeline. D'accord. Donc, ça, c'est le pourquoi. Le pour qui, ben, il faut tout le temps vous mettre à la place de ceux qui vont exécuter vos scripts. La personne qui passe après vous, le développeur, c'est peut-être justement un administrateur système qui, lui,
a juste besoin de faire son travail, que le script marche pas, qu'il a besoin de savoir comment opérer vos scripts. Donc, en ayant un mode riche de documentation directement dans le code et qui s'appelle via des commandlets, c'est vraiment un gros plus là, en termes d'opérationnalisation de votre code. Donc, je reviens ici. On a clenché le command base help rendu à commandlet binding. Commandlet binding, c'est la petite ligne qui est ici tantôt que je vous ai montré qui rajoute les paramètres communs permettant de faire du verbose, mettons. Et puis, c'est quelque chose que je me sers beaucoup dans mon développement. Donc, on la rajoute, ça prend une ligne de code et puis ça nous donne plein de goodies. Ensuite de ça, sans même rentrer dans la méthode. Si vous vous rappelez, dans la mise en contexte, je vous ai parlé qu'on avait besoin de valider un path, dans le fond, pour où qui contient notre fichier. J'ai besoin aussi d'être capable de valider une identité de mon déploiement. Donc, dans mon cas, moi, c'est un simple chiffre, là, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, j'ai aussi besoin de valider un environnement. Donc, je peux, en PowerShell, rajouter ce qu'on appelle un attribut sur mon paramètre qui s'appelle un validate script. Un validate script, c'est rien de moins qu'une méthode anonyme qu'on définit directement entre les accolades qui sont ici. Et puis, ça nous permet de faire des validations à l'entrée de la méthode. Ce que ça donne comme avantage, c'est que avant même d'exécuter du code, je n'ai pas besoin d'être défensif à l'intérieur de ma fonction que je suis en train de définir. Les paramètres s'en chargent. Ce qu'on peut lire ici, dans le fond, c'est $ underscore. Et bien ça se trouve être rien de moins que ma variable locale dans mon bloc anonyme. Et ça fait référence à ce que j'ai passé ici en paramètre. Donc, je prends la valeur de mon paramètre. Je le pipe à travers une commandlet qui s'appelle testpath. Mais là, nous, c'est pas n'importe quoi qu'on veut tester. On veut vraiment tester que le fichier, c'est un fichier qui existe à destination. Donc, testpath, c'est un utilitaire PowerShell qui permet de valider des chemins qui soient sur un disque ou sur un réseau. Et puis, en spécifiant le path type à leaf, ça nous permet d'assurer que ce qu'on valide, c'est vraiment un fichier. Ensuite, j'ai ici un décorateur supplémentaire qui s'appelle Parameter. Parameter, on peut mettre le flag mandatory dedans. Le fait de spécifier mandatory, c'est que ça force le paramètre à être présent lors de l'appel. Donc, c'est un paramètre obligatoire. La fonction ne marchera pas sans ce paramètre-là. Ça va générer une erreur. Ensuite de ça, dans la même lancée de les paramètres, on peut rajouter value from pipeline qui permet un peu là, d'aller chercher la syntaxe PowerShell avec le pipe qui permet de spécifier le résultat d'une commande peut être passé comme intrant à une commande subséquente. C'est un peu je me laisse distraire par le chat. C'est un peu l'approche fonctionnelle des choses où est-ce que, bon, là, c'est un paradigme là, de plus en plus populaire. Donc, c'était pour vous montrer un peu comment y parvenir. Et puis, pour l'environnement, ben, j'ai fait appel à ce que l'on appelle un validate set. Un validate set, c'est une collection de valeurs possibles très strictes pour un paramètre. Donc, quand j'appelle ma fonction, si je décide de passer autre chose que dev ou QA ou prod, ça va générer une erreur, comme qu'on va voir tantôt. On va continuer quand même à parcourir la méthode, juste pour vous montrer tout ce que j'ai fait. C'est pas un algo là, des plus compliqués, c'est vraiment juste démonstratif. Donc ici, j'utilise à l'intérieur de mes méthodes beaucoup le write verbose, qui me permet, quand après ça je débogue ou si j'ai un problème, de voir du détail supplémentaire sur ma méthode. Donc si le premier write verbose, je rentre dans le scope de ma fonction, ça ne dit rien de plus. Donc ici, après ça, je vais obtenir tous les déploiements. Donc, mon paramètre rendu à la ligne 37, il a déjà été validé selon mes logiques d'affaires. Donc, je le sais que je peux l'utiliser comme variable sans avoir peur
de briser quelque chose sans avoir peur de briser l'algorithme parce que les validations ont déjà été faites au niveau du paramètre à la déclaration. Et puis, on prend peu importe le contenu de ce fichier-là, on le pipe dans un convert from JSON. Donc là, dans le fond, ça, ce que ça permet de faire, c'est de lire du JSON et de me bâtir un objet PowerShell qui s'appelle data. Donc après ça, je vérifie. Est-ce que j'ai une identité qui a été fournie? Si j'ai une identité qui a été fournie, eh bien, je retourne une collection de 1. C'est ce que ça dit ici. Et puis, je filtre sur mon identité. Sinon, je vérifie est-ce que j'ai un environnement. Si j'ai un environnement, ben là, j'aurai une collection de plusieurs. Et puis, je retourne la collection filtrée. Et puis, sinon, je retourne toute la collection. Ici, l'approche fonctionnelle des choses, c'est qu'en aucun cas, je fais de mutation sur ma collection de logs en tant que telle. Je filtre dessus. C'est tout ce que je fais. Si on retourne à Watch Demo, j'ai devant ça décidé ensuite, on va s'écrire quelques tests manuels. Donc, je dot source pour être sûr que ma fonction est disponible. Et puis après ça, je vais vous montrer un premier exemple, dans le fond, avec un verbose. Donc là, ça, c'est un scénario de j'ai écrit ma fonction, là, je teste localement sur mon poste, je suis content, tout va bien et je mets des belles valeurs, des valeurs que je suis sûr qu'ils vont marcher. Donc là, on voit ici, j'ai spécifié un path qui est valide avec la switch verbose. La switch verbose, ben là, on va voir que ça met des messages supplémentaires. Returning all the things. Si j'enlève le verbose et puis que je roule. Pour ceux qui ne voient pas, là, non, vous ne voyez pas ce que je fais présentement, mais l'exécution de la commande courante dans VS Code reste F8. Donc, vous sélectionnez du code, vous pèsez sur F8, ça permet d'exécuter. Donc, j'ai réexécuté la même commande sans le verbose et là, on voit que je n'ai pas les messages supplémentaires dans le fond. Ensuite de ça, on fait un test avec Value from Pipeline. Donc, ici, on voit que je ne spécifie pas le paramètre d'identité, mais il va être inféré parce que je vais lui passer une identité à travers la pipeline. Donc, en faisant ça, on va s'attendre à retrouver un seul résultat. F8. Identity parameter is specified, returning a collection of one. Parfait. J'ai le 5. C'est good. Ensuite de ça, même chose pour l'environnement. Je vais spécifier un environnement qui fait partie de mon set. OK. Mon paramètre a été spécifié. Je retourne une collection de plusieurs. OK. Et là, je vérifie. Tout est du QA. Ah, on a eu un déploiement le 1er mars, un le 2 mars. Des paramètres, ça a des déploiements qui ont échoué. Et puis le dernier, finalement, le 3 mars, a fonctionné. Je tiens à vous rassurer, là, j'ai monté des données de démo, là. Ça n'a pas aucun sens pour vrai, là. Donc là, c'est bien parce qu'on a quelques tests manuels, on a essayé que ça marche, on est content. Mais faut encore aller, dans le fond, automatiser, faut aller chercher. On va aller chercher, dans le fond, quelques tests. Et puis, c'est ce qui m'amène à vous parler de la deuxième partie de la présentation, où est-ce que là, on va écrire des vrais tests Pester. Où est-ce que Pester est l'engin de test fourni pour écrire des tests unitaires ou des tests d'intégration avec PowerShell. Donc, pour cette deuxième partie, on va premièrement parcourir l'anatomie d'une suite de tests Pester. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un describe, un contexte, un hit. Les hooks, en fait, là, qui nous permet d'exécuter du code avant ou après, là, le before ou after. Le contexte d'exécution et puis finalement le merveilleux test drive et qu'est-ce que ça sert. Et puis au travers de cette partie-là, on va voir comment faire des assertions, donc comment je fais pour valider que j'ai reçu le bon résultat. Bien sûr, on va parler de métriques et puis je vais vous présenter en fin de tout là, un peu à quoi ça ressemble une pipeline Azure DevOps là, avec un fichier YAML pour une solution de ce genre-là. OK. Donc, on va aller voir. J'ai ici un fichier qui s'appelle demo.test.ps1. Et puis, c'est important cette nomenclature parce que
aux yeux de Pester, lui, quand que vous spécifiez Pester et vous dites de rouler les tests, il va vérifier pour tous les fichiers qui sont notre fichier .test.ps1. Donc, la nomenclature est importante. Donc, moi, quand je vois ça, je vois qu'ici, j'ai un test Pester. En fait, plusieurs. Donc, la première partie, c'est bien sûr un bloc describe. Donc, si on regarde, l'aide officielle, c'est un groupe logique pour des tests. J'essaie d'avoir une approche un peu given-when-done qui permet de bien cerner là, qu'est-ce qui se passe avec une suite de tests. Donc, le bloc describe, moi, je m'en sers généralement pour tout ce qui est dans un script en tant que tel, toutes les méthodes d'un script. Puisque PSA est installé, Visual Studio Code, ici, permet d'avoir le run test ou le debug test qui est ici. Donc, si je fais run test, on voit que j'ai des tests, puis ça marche bien. Mais pour ne pas spoiler rien, je vais effacer la console. Donc, ce qui m'amène à vous parler ensuite de ça, de ce qu'on a ici. À l'intérieur d'un bloc describe, on peut avoir ce qu'on appelle les méthodes before all et after all. Ça, c'est du code qui va s'exécuter avant tous les blocs contexte ou après tous les blocs contexte. Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi on fait ça. Moi, principalement, c'est que je me sers premièrement de cette merveilleuse ligne magique qui permet dans le fond, de positionner PowerShell à la racine du script que j'exécute. C'est important de penser à ce genre de choses-là parce qu'un opérateur pourrait exécuter votre script de n'importe où. Vous pouvez rouler les tests de n'importe où. Et puis, lui, c'est important dans son contexte que vous venez pas jouer avec lui ou ce qui se trouve présentement sur le disque. Donc, de cette manière, en se positionnant, on pousse sur la pile d'emplacement de PowerShell où est-ce qu'on se trouve présentement, où est-ce que le script se trouve sur le disque. Même chose, je vais attirer votre attention, vu qu'on a fait un push, ça a créé un effet de bord, il faut défaire l'effet de bord avec un pop location. Donc ça assure que votre suite de test peut être exécutée de n'importe où et que ce que vous faites référence à l'intérieur de votre suite de test va rester, va tout le temps s'exécuter puis va être retrouvé par le script. Donc après ça ici, je fais un dot source de mon script ou ce qui est ma fonction. Et puis après ça, on copie les fichiers. Et puis c'est peut-être pertinent que je vous montre un peu. J'ai ici, dans le fond, mon projet de test avec le fichier qu'on regarde présentement. Et puis je me suis fait du test data. Le test data, c'est un JSON, dans le fond, le product name, Contoso. Bon, parfait. J'ai ici toutes mes logs, c'est ce qu'on voyait tantôt, le QA, etc. Et puis dans source, ici en haut, j'ai mon script qu'on voyait tantôt. Donc, c'est juste pour que ça fasse un peu de sens. Là. Donc, ce que je fais, c'est que je me sers de la commandlet resolve path pour aller chercher le path complet de où se trouvent toutes mes données de test. Donc, avec toutes ces données de test-là, ce que je fais, c'est que je parcours de manière récursive. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais avoir juste un fichier ou je pourrais avoir une hiérarchie de dossiers avec des fichiers. Ça permet de tout copier sur ce qu'on appelle le test drive. Le test drive, c'est un drive logique, un peu comme un C ou un D là, pour les utilisateurs de Windows, mais c'est vraiment un drive logique qui est créé, permettant, dans le fond, d'isoler toutes les opérations que vous avez besoin de faire sur un file system. Donc, moi, dans mon cas, j'ai un snapshot, on pourrait dire, de ma base de données demo.json, et puis je ne veux pas avoir à modifier de fichier qui est des données de test, donc je me sers du test drive pour copier mon fichier là, je fais les opérations, j'ai besoin dessus, et puis à la fin de l'exécution de la suite de test au complet, c'est disposé de votre ordinateur. Donc, je laisse aucun effet de bord d'avoir roulé mon test sur la machine sur laquelle je l'exécute. Bon, le bloc after all, on l'a couvert déjà. Ce qui nous amène au bloc contexte. Le bloc contexte, qu'il a ça avec l'approche given when then, c'est lorsque j'exécute quelque chose. Ici, j'essaie toujours d'être le plus collé sur le besoin d'affaires que je suis en train de régler. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans notre cas, nous, l'opérateur, lui, a besoin d'obtenir les logs d'une base de données. La base de données, là, est assez de base, merci. Là-dedans, encore une fois, on peut spécifier des blocs « before all » ou « after all » qui, eux, vont s'exécuter avant chaque bloc « it ». Donc,
il y a moyen de cascader un peu l'initialisation de vos contextes de test ou contexte global. Le before all, dans un bloc contexte qui est ici, je m'en sers pour mettre en place mon contexte de test, donc les variables invalides, les variables, les tests valides que j'ai besoin de me servir. Donc, on voit ici là, un invalid path. Donc, celui-là, wantResolve/kappa.json. Mon petit doigt me dit que si j'essaye ça, ça n'existe pas sur mon disque. On va essayer aussi avec un dossier, voir si, si je spécifie un dossier à ma commandlet, c'est pas supposé marcher. Et finalement, un fichier valide, où est-ce qu'on le sait que mon demo.json existe. Même chose pour les identités. Je sais que ABCD n'est pas une identité valide, mais que 5 est une identité valide. Et même chose pour les environnements. L'environnement banane n'existe pas, mais bien que oui, oui. Et ensuite de ça, où est-ce que là, le gras se donne? On va agrandir un petit peu. Je ne sais pas si c'est trop gros, mais c'est pour que ça soit clair. Dans un premier cas, c'est ici où est-ce que le fait d'avoir mis des validations sur nos paramètres va nous aider à écrire des tests. Donc, si je regarde ici, j'ai un premier test qu'on peut écrire qui est avec la validation du paramètre deployment log path. Donc, je veux tester et que le dossier, que l'emplacement existe, mais que aussi c'est pas un dossier, que c'est un fichier. Donc, ça me donne déjà deux tests qu'on peut écrire. Donc, le premier, je veux spécifier, je vérifie que la commandlet plante, en bon français, si c'est un dossier qui est spécifié. Sinon, si c'est un vraiment un fichier, mais que le fichier n'existe pas, on va écrire un autre test par rapport à ça. Et puis, même chose là, pour le validate set avec l'environnement qui est ici. Donc, la méthode tester pour faire un assertion, dans le fond, qui permet de valider que ça va lancer une exception. Dans le cas d'une exception, en fait, on n'a pas le choix. Il faut englober notre appel avec des curly braces, comme ça, des accolades. Je vais attirer votre attention aussi, là, si vous vous demandez c'est quoi le petit signe qui est là, c'est un backtick. Et puis un backtick en PowerShell permet de continuer une instruction sur la ligne suivante. C'est pas idéal. J'ai déjà entendu beaucoup de monde référer à VB6 pour des choses de même. Quoique VB6, c'est un éperluette. Mais on s'en sort pas. Donc, le résultat de l'exécution de ma commande, qui est censé générer une exception, je le pipe. Et puis, le should qui est ici, ça, c'est quelque chose qui est propre à Pester, dans le fond. Fait que should nous permet de faire une assertion sur un comportement qu'on s'attend à avoir. Donc, dans notre cas, ça devrait lancer une exception. True, true, true. Même chose ici, dans le fond. Fait que là, je vais attirer votre attention que le fait d'avoir défini mes variables dans mon contexte de test, permet de lire beaucoup mieux là, ce que j'essaye. Donc ici, je peux savoir que j'essaye un répertoire, que j'ai une identité valide et un environnement valide, mais dans ces cas-là, ça ne marchera pas. Donc, même chose ici, un fichier qui n'existe pas, avec une identité valide, un environnement valide, ça lance une exception. Et même chose pour ici, sauf que c'est un environnement invalide. Donc, si je retourne en haut, j'appuie sur « Run test », comme on disait, oh, attendez, juste un instant. Part 2. Et voilà. On voit que mes trois premiers tests sont ici. Premièrement, j'ai un describe. Given the demo tools. J'ai mon contexte d'exécution. Et puis, mes trois premières méthodes sont là. C'est parfait. Pas mes trois premières méthodes, mes trois premiers tests. C'est parfait. À date, tout marche tel qu'entendu. En fait, je vais vous avouer franchement que j'ai roulé ma suite de tests vraiment beaucoup pour être sûr d'être prêt. Donc, je m'attendais à ce que ça marche. Ça n'aurait pas marché, on aurait eu un problème. Ensuite de ça, ça marche bien pour valider nos paramètres d'entrée. Mais là, dans notre méthode, on en a de la logique d'affaires, dans le fond. Donc, un premier test. Et puis,
je fais une parenthèse pour faire un petit clin d'œil à mon collègue qui a un blog vraiment intéressant. Le blog de mon collègue Miguel Bernard, où est-ce qu'il a écrit récemment, dans le fond, il a publié là, un article sur ce qu'on appelle le property-based testing. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce que c'est le property-based testing, mais dans le fond, l'idée derrière, c'est d'écrire des tests qui sont tout le temps vrais, mais qui ne sont pas basés sur un espèce d'exemple vraiment pointu. C'est un peu nébuleux là, mon explication, mais pour les biens de la présentation, à la fin, quand je vais revenir au PowerPoint, là, il y a les références, et puis cette référence-là est là, vous allez pouvoir lire son article là, qui est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux valider? Ben, je peux valider que si je ne spécifie pas de filtre. Ah! Oshinato, merci à toi, Oshinato, la shameless plug. Donc, je peux valider dans le fond que si je spécifie rien, je m'attends à avoir une collection non vide. Donc, c'est la même chose. À l'intérieur de mes tests, j'essaye d'avoir l'approche Arrange, Act, Assert. Donc, c'est un mélange de deux philosophies. Là. Moi, j'ai tendance à mélanger des choses un peu là, pour ce qui fait du sens dans ma réalité. Je prétends pas que j'ai la meilleure approche possible, mais c'est une approche qui est quand même clean et qui est claire. Dans mon cas ici, j'ai pas besoin de rien arranger. Hein, on veut appeler on va appeler dans le fond la fonction à tester avec un path valide. Donc je vais avoir mes logs. Et puis je m'attends à ce que les logs retournés, ben, qu'ils me retournent une collection. Donc should tire une note pour la négation et be null. Bon. So far so good. Et après ça, ben, je vais m'attendre à ce que ma collection que je vais chercher ben, est non vide. Donc be greater than zero. Et puis, moi, ce que j'aime bien avec Pester, c'est que c'est des verbes forts qui permettent de faire les assertions. On peut... Il y en a vraiment là, une ribambelle, là, et puis sont aussi dans les références à la fin. Là. Mais ça permet, d'un coup d'œil, dans le fond, s'assurer que la règle d'affaires répond bien. Et puis, en lisant le test, là, c'est écrit en anglais. C'est un langage plus naturel que peut-être... Bon, là, je vais peut-être me faire lancer des briques, là, mais en C-Sharp, l'API est super bien. Ça reste aussi très verbeux. Là. Ça s'enligne dans ce mode de pensée-là. Deuxième test. Si je donne une identité qui n'est pas résolue, je m'attends à avoir zéro log. T'sais, je veux dire, l'identité n'existe pas, fait que je m'attends à avoir rien. Donc, même chose, je fais un act, j'ai pas besoin d'arranger rien. Je spécifie un path valide et je spécifie une identité invalide. Donc ici après ça, j'assert, le log est à count, should be zero, parfait. Et puis après ça, on peut écrire un autre test. Là, j'ai besoin de vérifier qu'un déploiement précis à travers une valeur de pipeline qui contient une identité valide, ça va me résoudre ça, je vais avoir un résultat. Ça semble un peu compliqué comme test. Comment je peux y parvenir? Ben, premièrement, je vais aller chercher toutes mes logs, ici. Et puis, de manière fonctionnelle, encore avec des guillemets, je vais prendre ce résultat-là et puis je vais me retourner le premier objet de la collection. Ça pourrait être le dernier aussi. Last first, c'est comme vous voulez. Pour les biens, je vais laisser first ici. Ensuite, j'agis. Hein? Donc, tantôt, là, je montrais là, que j'avais hard-codé là, le 5, là, mais ici, c'est le même principe, dans le fond. Je prends mon paramètre, je le pipe à ma fonction, et puis après ça, on peut voir ici que je spécifie un valid path. Donc, je m'attends à avoir un compte de 1, et puis que l'identité que je suis allé chercher, c'est la même chose que j'ai passé à ma fonction. Alors, j'ai passé un ID, je m'attends que les ID match, tu sais, il est allé me chercher vraiment ce que j'avais besoin. Et puis, il y a un dernier test. Je m'attends à avoir un subset filtré hein, pour un environnement valide qui est spécifié. Donc, disons, j'ai 7 logs total, ben, je mets un filtre avec QA, je m'attends d'en avoir 3, 4 ou 5 dans le fond. Donc, je vais chercher tous les logs, all logs. Ensuite, je fais un filtre pour le act en spécifiant un environnement qui est valide parce que l'environnement est valide, elle a été testée plus haut. Donc ici, l'assertion se fait au niveau du count. Donc, je m'attends à ce que mes logs soient plus grands que 0, parce que j'en ai dedans. Et puis, je m'attends aussi que j'ai pas plus d'éléments que
mon maximum d'éléments. Ça serait un peu louche sinon. Donc, bless are equal to aldogs.count. Donc ça, c'est ce qui nous donne notre suite de tests qui est montée. Là, je vois, j'ai 7 tests qui ont passé, 0 qui ont failli, ma suite de tests a complété en 200 millisecondes. Donc, je vous ai montré comment exécuter la suite de tests si on retourne en haut complètement avec le run test qui est ici. Vous pouvez aussi mettre un breakpoint et puis faire des bugs. Hein, je vais rentrer. On voit ici mes variables. Bon, là, je ne rentrerai pas dans les détails de comment déboguer, mais vous pouvez vous promener là-dedans. Là, vous allez avoir l'intelligence qui est là, le débogueur qui est là. Vous pouvez même step in dans votre fonction, puis là, vous allez pouvoir déboguer votre fonction, puis vous vous promener dedans. Ça marche vraiment bien, mais c'est en dehors du scope de la présentation. Si on revient à mon fichier Watch Demo, je vais remettre ça ici. Ça, c'est étayé pour moi, là, pour être sûr que je mette tout, là, mais le sanity check, je l'ai roulé avant la présentation. Donc, pour aller chercher les métriques qu'on parlait dans la présentation, si je fais un retour à ce que je montrais tantôt, donc, c'est aussi simple que d'appeler invoke_tester, qui est l'outil. J'y passe un path avec un fichier à tester. J'y passe un format là, qui va permettre d'avoir un fichier outputé avec un nom. Si je roule ça, on risque d'avoir pas mal la même affaire. C'est moi qui dis n'importe quoi. Je m'excuse. DevLNL. Ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'ai pas fait ce que j'ai dit. C'est que j'ai fait un push location, mais j'ai abruptement arrêté ma suite de test. Donc, il m'a laissé sur mon test drive. Donc, ça, c'est un exemple de où c'est le test drive. Fait que je voulais pas le présenter, mais là, on le voit. Je reviens ici. Hein? Comme dirait Homer Simpson, la deuxième fois, c'est tout le temps la bonne. OK. Puis j'ai oublié d'enlever mon breakpoint. Bon. Ça, c'est l'exemple de quand on fait des choses hors choses qu'on était censé faire. Tout le monde à l'unisson. On peut se facepalmer. OK. Homer, en fait, ce qu'il a dit, c'est la troisième fois, c'est tout le temps la bonne. Fait que là, Homer, il disait ça, puis il avait raison, parce que là, la troisième fois, c'était la bonne. Donc, j'ai le même résultat en exécutant la commandlet qui est ici, avec les bons formats. Je vais attirer votre attention sur ici, ça m'a généré un testtester.xml. Et puis là, ça, c'est un fichier là, XML que vous allez pouvoir spécifier. Ça n'a pas vraiment de valeur qu'on le lise en gang, là. C'est vraiment juste un fichier qui est là pour qu'on puisse donner après ça à un outil d'intégration continue. OK. Ça, c'est pour la première métrique. En prenant tester, en fait, c'est qu'on peut combiner par avoir la deuxième métrique qui est le code coverage. Donc, pour ce faire, je spécifie encore les trois mêmes paramètres. Et puis, je vais rajouter je vais y spécifier dans le fond que j'ai besoin d'avoir le code coverage pour ce fichier-là. Et puis, j'aimerais ça outputter le code coverage, qui est la couverture de code, pour ce fichier-là. Donc, pour ce faire, on sélectionne, fait fuite. Je vais augmenter ça ici. Pour être sûr. Fuite. Et puis là, on voit code coverage de 100% de 18 analyses command in one file, mais pour être vraiment transparent avec vous autres, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, puis vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi. CTRL-C. Je vais commenter un test. Et on va revenir. Je devrais avoir moins que 100% cette fois-là. Oh! Là, on voit. J'ai couvert 77,78% des 18 commandes, puis il va me dire un rapport des commandes que j'ai manquées. Là, Oshinato, il doit être content de voir que j'avais un code coverage de 100%. Il ne pourra pas me shamer off-record. OK, ça, c'est une deuxième métrique. C'est cool. Dans le même principe, coverage tester, c'est un autre fichier qui existe, que ça l'a créé, que ça n'a pas vraiment de sens pour un humain de lire ça, mais qu'une machine peut très bien le lire. Mais là, on arrive au fait que ça prend la troisième métrique. La troisième métrique est dans un autre outil. L'outil s'appelle Script Analyzer. Et je l'ai mis en référence à la fin de la présentation. Pour rouler Script Analyzer, c'est vraiment, on y spécifie un dossier où il y a toutes nos sources. Et puis, je peux faire Script Analyzer. Puis là, il roule. Puis là, il me dit, ah, tu as des trailing white space. Tu en as un paquet. Fais attention, etc., etc. Comme je disais tantôt,
Une analyse syntaxique, là, dans le fond, c'est d'autres choses de Messenger. Et puis, il y a certaines règles, mettons, que pour vous, peut ne faire du sens de désactiver. Donc, pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le exclude rule. Le exclude rule, qui est ici, qui est, bon, là, PS avoid training whitespace, c'est elle que j'ai à grandeur. Donc, si j'exécute ça, ben là, j'ai rien. Bon, ça, c'est bon. Sauf que là, j'aimerais ça, moi, être capable d'exécuter mon analyse syntaxique. J'aimerais ça avoir ça intégré, dans le fond, de manière automagique, on se rappelle. Donc, pour ce faire, c'est j'ai ici intégré dans un script tester mon analyse syntaxique. Et puis, on remarque que j'ai un describe, j'ai un contexte, j'ai un it. J'ai juste que mon it est à l'intérieur d'un for each. Fait que dynamiquement, avec les règles que j'ai besoin d'analyser, je suis capable d'analyser tous mes fichiers. Donc, si on regarde ici le before all, je vais demander c'est quoi les scripts que j'ai besoin d'analyser. Donc, je vais chercher tous mes fichiers qui sont dans source. Et puis après ça, je dis les règles. Va me chercher toutes les règles. Et puis ici, de ce subset-là que je vais chercher, enlève-moi le PS avoid training whitespace. Moi, ça ne me tente pas de régler ça. Ce que ça donne, c'est que si je fais run test, là, oh, c'est plus impressionnant si on le roule comme ça. Donc, j'ai 171 tests qui ont passé. Donc, mon code a passé l'analyse syntaxique et puis répond à toutes les règles là, de bonne pratique de code tester. Bien sûr, ce qu'on peut faire, si on recule en arrière de 1, je préfère invoke pester. Et puis là, si je fais ça, lui, il va prendre tous les fichiers tests qui se retrouvent là-dedans. Et puis là, je vais me retrouver avec, dans le fond, un mix de mon analyse syntaxique, mais en plus, un mix de mes tests de business, dans le fond, où est-ce qu'eux, ils ont de la valeur. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un tag qui s'appelle linter. Donc, j'ai moyen de faire invoke pester, c'est-à-dire exclude tag linter. Et donc, quand que je roule pester, j'ai juste mes tests. Puis là, ça, je veux mes tests à 100% de coverage. Merci, bonsoir. Même chose. OK, j'ai tous mes tests. Donc, de cette manière-là, ici, avec ce que j'ai ici, j'ai sous forme automatique, dans le fond, quelque chose qui teste. Je peux avoir une étape de build qui me permet de tester ça. Je peux permettre d'exclure ces résultats-là parce que c'est des tests qui viennent polluer un peu ma suite de tests business. Je vais retourner à ma petite démo. Je suis ici. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va chercher toutes les métriques. Ce qui m'amène au dernier point, dans le fond, une pipeline Azure DevOps. J'ai pas. Ça sortirait un peu du code aussi là, de la présentation. De comment monter une pipeline Azure DevOps, je vous ai fourni un petit fichier qu'on va parcourir ensemble. Dans le fond, qui est une définition d'une pipeline là, directement dans Azure DevOps. Donc, on voit ici, bon là, j'installe des modules. Ici, j'ai ma tâche tester qui roule. Et j'exclus mes tests de linter. Qui sont mes tests d'analyse syntaxique, désolé. Et puis, j'ai dit, OK, c'est cool. Le code coverage output file, comme que j'avais dans ma commandlet, va se sortir ici. Cette tâche-là englobe le fichier testpester.xml, déjà d'avance. Ensuite de ça, ben, je publie mes tests. Je publie mon code coverage. Et puis ça, ces fichiers-là, dans le fond, vont être récupérés par Azure DevOps pour vous donner un beau dashboard de savoir combien de tests qui ont été exécutés, le code coverage sort comment, pour avoir des beaux dashboards de l'automagique comme que je parlais. Finalement, à la fin, j'ai un petit script là, qui permet de publier là, sur PowerShell Gallery qui viendrait chercher aussi là, le côté déploiement continu, en fait. Faites juste attention parce que ici, j'utilise une variable de pipeline Azure DevOps. Et puis en haut, si on revient à la ligne 3, là, il me dit ici, fais attention, tu référencies une variable qui n'est peut-être pas déclarée. Donc, fais juste attention à ça. Donc, c'est un peu ça. Là, je vais regarder toutes mes notes, la démo, ça c'est bon.
pour votre tooling, ce que vous faites là, ici dans le côté dans Visual Studio Code, il y a extension. Tapez donc PowerShell. Et puis vous voulez celle-là. Vous l'installez, ça va vous donner l'autocomplete, la reconnaissance syntaxique. Ça va vous donner tout ce que vous avez besoin dans le fond pour soit écrire des scripts opérationnels ou peut-être des outils là, pour vous. Là. Mm-hmm. Donc si je retourne ici. Donc, on vient là, j'ai mis beaucoup de références, dont les articles de blog. Les deux premiers, là, c'est des articles que j'avais écrits fin 2018, début 2019. Ce que j'ai appris à me construire des outils PowerShell. Donc, c'est un peu ce que je vous ai présenté, un mashup. Ça ne sera pas long, Fadi, je vais juste conclure, je vais répondre à ta question après. Donc, c'est un mashup. Et puis, bon, là, la shameless plug de Shinato. Que de toute façon, vous avez vu passer dans le chat. Oups. J'ai tué mon punch. La présentation complète, tout le code est disponible sur mon GitHub. C'est gratuit de droit. Vous pouvez forker, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le code est là. Pour le, ici, la section documentation, ben là, j'ai essayé d'être un peu... bon, voilà, comment-based help. Comment faire du parameter validation. Le test drive, les assertions de Pester, comment ça marche. Et puis... ici, finalement, les modules que je me suis servi pour permettre de faire des tests unitaires et du code coverage, donc Pester et PS Script Analyzer, disponibles sur le PowerShell Gallery, ainsi que la task de Pester à ajouter dans du Marketplace pour Azure DevOps. Donc, on le voit ici, marketplace.visualstudio.com. Donc, c'est beaucoup d'informations là, que je vous ai données. C'est sûr que dans un monde où la complexité ne cesse jamais d'augmenter, là, avoir en place des bonnes pratiques de génie logiciel comme des tests unitaires, du code coverage, de l'intégration en continu, du déploiement en continu, là, ça devient des incontournables. C'est sûr que ils vont tout, ça va tout le temps permettre à votre organisation de sauver du temps et de l'argent, mais aussi de sauver des nombreuses migraines, dans le fond, à vos développeurs ou vos opérateurs. Sur ce... c'est mon punch que j'ai tué. Mais question, commentaire, menace. Ah, je suis content. J'ai fini en dedans de 2 minutes. Donc, Fadi, est-ce qu'il y a des tasks déjà faits dans Azure DevOps ou il faut faire le YAML à la main? Il y a des tasks déjà faits au complet. C'est sûr que moi, la première chose que j'ai faite, c'est que je les ai créés à bras, dans le fond, avec l'interface, là, avec le UI, et ensuite je l'ai exporté en YAML. La raison pourquoi que je préconise un YAML, c'est que le YAML peut être mis sur source control. Donc ça permet toujours d'avoir ta pipeline de build qui suit la version de ton code. Donc c'est un pas de plus là, dans tout ce qui est le everything as code, là, l'infrastructure as code, là, c'est configuration as code, et puis ça permet d'avoir tout le temps une pipeline qui est up à jour pour la version du code que tu check out. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, merci, Mazen Moore. N'hésitez pas à faire un petit follow. Comme je disais en début de présentation, quand que je vais streamer autre chose, vous allez être notifié. Mais ça va s'aligner. J'aimerais ça peut-être continuer à faire quelques lunch and learn de même là, si je vois que l'appréciation était quand même bien. Oui, Pester, c'est supporté par Microsoft. Je pense même qu'à ce temps, sous toute réserve d'une machine Windows 10, le module est installé par défaut. Fadi, tu demandais aussi c'est quoi la version de PowerShell que j'utilise. Le code que vous avez vu, c'est tout du code qui est compliant PowerShell 5.1. La raison pour laquelle, c'est que moi, je suis un développeur SharePoint, donc les API de SharePoint ne sont pas toutes sur PowerShell Core. Somme toute, si vous n'avez pas besoin de jouer vraiment avec SharePoint, je vous conseillerais d'aller vers du PowerShell 6, où là, récemment, PowerShell 7 est sorti. Là. Il y aurait d'autres questions. Eh bien, je vous remercie énormément de votre attention. C'est ce qui va conclure la présentation.
Je suis vraiment content que vous ayez participé en si grand nombre. Donc, on se dit à la prochaine fois.